Allez, bonjour à tous, c'est Matt du 29 et on se retrouve donc sur Train Mécanique pour la suite de la carrière. Donc du coup là on se retrouve sur une locomotive que j'ai été chercher la semaine dernière. Hein. On était en même temps pour aller la chercher mais après j'ai arrêté. Donc là il faut trouver qu'est-ce qui va pas. Donc on va tout simplement aller chercher. On semble être assez étendu, retrouver tous les éléments endommagés. Bah déjà là ça a l'air d'être les amortisseurs ici. Tout ce qui est suspension. Bah là, tiens, il y a le support moteur aussi. Hop. Donc je vais commencer ça et puis on verra après ce qu'il faudra qu'on fasse. Hop, hop. Ça suit bien pour ce jeu-là? Oui. De ce côté-ci, c'est bon. De l'autre côté maintenant. Hop, 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 voilà. Oui, c'est pareil. Hop. Donc, logiquement, je pense qu'on a trouvé tout. Pas trouvé. Ah, il y a encore un qu'on n'a pas trouvé. Ici. C'est con parce que d'apparence j'en vois rien, je vois pas grand chose. C'est peut-être sur l'autre partie, hein, l'autre body. Est-ce que ça serait pas celui-ci? Non. Non. Moi, je vois rien.
Fixation de moteur, pas trouvé. Troisième amortisseur à boîte, plus un quatrième. Boîte d'essieu. Et celui-là, il est bon? Non, c'est pas lui. Ben plus ça va, moins il y a des choses qu'on voit, alors c'est super. Est-ce que ce serait pas une de ces parties-là non plus? Non. Putain, c'est quoi le bordel là? C'est quoi ce bordel? Franchement, là, je suis en train de tout tester, hein, mais... Je vois pas vraiment de pièces rouillées, quoi, c'est ça le problème. C'est chiant. On va passer une heure dessus. Mais là, je vois rien. J'arrive pas à voir.
Je vais faire comme ça et puis c'est tout. Y a bien une pièce qui va se démarquer des autres. Est-ce que ce serait pas une pièce du moteur? Genre les rotors, des trucs comme ça. Alors les jonctions entre les moteurs et... je sais plus du tout qu'est-ce qu'il y avait à faire là-dessus en fait, c'est ça le problème. Je l'ai fait hein, déjà, mais bon, ça remonte à loin quand même. Ah, c'est peut-être les rotors, c'est peut-être à l'intérieur des moteurs en fait. C'est chiant. Bien, la pièce qui devient rouge, c'est celle qu'il faudra changer, mais bon. Pour l'instant, il n'y en a aucune. C'est super. Bon, tout ce côté-ci, c'est bon. Mais juste cela. On va passer un épisode rien que sur ce train. Pour trouver une pièce, on sait même pas où aller. Ah! Putain, l'enfoiré. C'est dans le moteur. Pfff.
Je suis sûr que c'est ça. Allez, putain. Oh quelle merde, j'en étais sûr que j'allais me faire. Hein. Allez. On répare tout ça. Donc après, il faut que j'aille sur une autre table. Ça va être de l'hydraulique. Hop. Hop. Voilà, ceci et une autre. Et puis, je peux remonter. Mais j'en ai mis du temps avant de trouver la pièce. Allez, mode montage, c'est parti. Hop. Après, il y a celle-ci à remettre. Celle-ci. Celle-ci. Hop. Après, il n'y a plus rien ici, d'accord. Nouveau moteur. C'était celle-ci à changer. Après, ici, de ce côté-ci, on avait donc un ici. En fait, je cherchais pas là où il fallait. J'étais parti sur le moteur à un moment, mais je sais pas pourquoi j'ai pas trouvé. Du moins, j'ai pas bien fait le tour partout. Bon. Normalement, c'est bon. On est d'accord. Maintenant, moteur fusible. Alors, les fusibles, normalement. Ils sont là. Alors déjà, celui-ci est à enlever. Celui-ci aussi. Et je pense que c'est les deux seuls. Donc, du coup. Direction, l'étape de réparation. Donc c'est des trucs électriques. 31% par contre. Si, je peux le réparer. Attends, électrique. Non, c'est pièce moteur, je pense. Pièce moteur. Donc, le fusible. Ici, il coûte. C'est le 15. Donc, le 15. Donc, ici, dans le moteur. Hein, donc, le fusible 25. Alors, le 15. Il coûte 600 $. Ça bon, moi je préfère l'acheter, ça coûte moins cher. Donc le 15, on l'achète. Commander, oui. Du coup, celui-ci, on le revend. Donc le moteur, on doit aller, c'est à l'arrière, nous, ou à l'avant. Non, c'est là. Hop là. Voilà. Je pense que je vais pas faire plus de missions. Voilà. C'est bon, on gagne 1 000 $. Et puis voilà. Donc je pense que je vais arrêter là pour cet épisode. Et puis voilà. Alors du coup, 5 000 $, j'ai pas assez parce que maintenant... Une tournevis électrique, le prochain niveau c'est 8 000 $ et les autres c'est 7 500.
Eh ben, on verra ça plus tard. Alors, je vais juste prévoir une mission pour la semaine prochaine. C'est quoi? Il faut aller chercher. Bon, bah, j'irai aller chercher plus tard. Allez, on se dit à la prochaine. Et puis, bah, n'oubliez pas les commentaires, les pouces bleus et de vous abonner. Donc, prochain épisode, c'est sur ATS, du coup. Allez, ciao, ciao, et à la prochaine.